Bonjour tout le monde, on est dimanche. Bienvenue dans un nouveau vlog. On va essayer de refaire comme on faisait avant, du dimanche au samedi. Essayer de poster des vidéos le dimanche. Bon, depuis ce matin, il y a eu, on va dire, motivation, grand rangement. Je vais vous montrer dans la chambre des enfants. On a une petite puce qui est en train de s'habiller, donc je ne vais pas vous montrer. Elle continue de t'habiller, la puce. J'enlève des choses qui me font mal. D'accord. Ici, il a commencé à avoir un bon rangement. Là, on va laver tous les draps. Mais ici, c'est toutes les affaires qui doivent aller dans le buffet. Donc pour l'instant, ça reste ici. Là aussi, ça doit aller dans le buffet. Donc on va dire qu'on accumule, mais bientôt, il n'y en aura plus. Là, va falloir faire bien rangement des cas parce que JB, il met toujours tout n'importe comment pour que ce soit plus joli quand même. Et là, on a fait les cartons aujourd'hui. Allez, vous pouvez prendre un truc à boire. On va faire un petit apéro, c'est l'anniversaire de papy. Donc là, ça commence à... Un truc à boire dans votre frigo. Comme tu veux, en fait, mon bonhomme. Il y a moins en moins de cartons. C'est trop cool. Là, je suis en train de faire celui-là avec les chaussures. On en a vidé plusieurs hein, aujourd'hui. Ça doit aller au garde-meubles. Là, voyez le tas. Tout ça, maintenant, c'est acheté. Donc ça avance bien. Là, voilà, j'ai rempli ici avec mes bouteilles d'eau, lait, on va dire ma petite réserve, en fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas de gâteau de ça, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir rajouter des petites choses que je veux qui soient ici, pas dans la cuisine, finalement. J'ai un stock de sopalin énorme, donc j'ai mis là où il y a mes appareils de électroménager, on va dire. Mais sinon, ça avance bien. Là, toujours, on ira à Jiffy. Là, je pense que ça restera comme ça au-dessus. Là-haut, faut voir, mais j'ai rajouté mon essorage à salade, là, que j'utilise peu, parce que j'achète de la salade dans mon sachet. Mais bon, ça, je suis pas sûre qu'on va les garder. À voir, enfin, pas ici. Là, JB, il faut qu'il fasse son gros tri de ça. Mais sinon, ça avance bien. Vachement bien comme jeu. Allez, on range les plaids. Ils sont excités de fou. Mais voilà, petit à petit, ça avance bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papy. Joyeux anniversaire. Allez, souffle ta mousse. Bon, oula. C'est bon, c'est fermé. Bon, après un petit film en famille, sieste dans le canapé, pour moi, tellement crevé, on a décidé d'aller voir les endroits où sont les centres de loisirs pour le mercredi, pour la garde des enfants, parce qu'en fait, cette année, le mercredi, on travaille tous les deux. JB n'a plus le rythme qu'il avait avant, ce qui est à peu près normal. Donc pour voir où est-ce que c'est le trajet et tout ça, entre ici, le centre de loisirs, le travail, le centre de loisirs. Pour moi, pour y aller, les récupérer le soir, enfin voilà, donc on a décidé qu'on faisait ça cet après-midi. Il fait méga beau, ça va nous faire une petite sortie en famille, ça va être bien, même si on est en voiture, mais ça va nous faire du bien de sortir un peu de la maison. Bon, aujourd'hui on est content, c'est qu'on a avancé sur certaines choses de la maison, du rangement encore. Donc petit à petit ça se fait, mais réellement c'est ce buffet. Je pense que lundi JB va rappeler, parce que là c'est plus possible, on en a marre. Mais bon, JB lundi reprend le travail, il va voir son chef. Enfin, il y a plein de choses qui vont être gérées. Autre chose finalement. Donc je vais aller chercher mes lunettes de soleil. Donc voilà, ça va être encore chiant, mais là, il est temps qu'on puisse avoir... notre nouveau meuble, nouveau buffet, pour qu'on puisse ranger le reste de nos affaires, quoi. Parce que là, on commence à saturer, quoi. On a fait notre petit tour des centres de loisirs. Au niveau des routes, ça va. On est agréablement surpris par rapport au chemin. Ça va pas être trop embêtant par rapport au travail. Donc ça va être cool. Et là, il fait tellement chaud que JB va arroser tout le monde avec l'arrosoir. Non, avec le jet d'eau. Non, pas un jet d'eau. Le tuyau d'arrosage. Tu vas arroser les fleurs? Oui. Ah, trop chaud. Bah, les draisiennes, je vous ai demandé de ranger, en fait, les enfants. Ça fait du bien? Ah ouais, ça fait du bien. C'est papa. J'avais fait que le devant. Ça fait du bien.
Il peut pas faire un enfant. Il t'a eu ma puce? Oui, aussi. Allez, vas-y, fonce, sois courageuse. Moi, je suis courageuse. Vas-y, 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 vas-y. T'es où? T'es là. Ça mouille? La cachette. Mais tu reçois de l'eau quand même là-bas, non? Je peux pas qu'il arrose. Mais t'es quand même bien trempée. Pas trop. Bah si, t'es totalement trempée, Maxence. Ah si. J'ai mis dans mon slip. Bon, après cette petite douche extérieure, on a bien été mouillé, ça a fait vraiment du bien. Regardez, je suis complètement trempée. Je me suis mis ma petite serviette entre ombre et soleil. Je vais me poser tranquillement ici. Faut que je monte le vlog de la semaine dernière aussi. Je le ferai après être bien sèche, m'y reposer. Il aura été posté tard, je crois, ou alors je le poste demain. Je pense que je vais le poster pour demain. Comme ça, je serai tranquille. Bon, allez, tu viens avec moi, mon bonhomme? Regarde, il y a de la place. Tu mets tes pieds de l'autre côté, vu qu'ils vont être tout sales de l'autre côté. Bon, bah, t'as mis tes pieds devant. Alors, les enfants, on dit de l'autre côté, donc il met ses pieds ici. Très, très intelligent, les enfants, dis donc. On comprend tout ce qu'on dit. Oui. Tu viens t'allonger? Oui. C'était beau. Bon, t'as vu où était ton centre de loisirs? Oui. Est-ce que ça te plaît l'endroit où c'est? Oui. Il y a quoi d'intéressant? Il y a un parc, il y a des animaux. Il y a plein de choses. Il y a un skateboard. Non, il n'y a pas un skateboard. Un skateboard, c'est un objet. C'est un skatepark. Un skatepark. Qui est assez grand, franchement. On a vu au niveau de la puce, il y a un grand parc aussi, bien arboré, tout ça. Ils vont être bien, je pense. Ça va être bien pour les mercredis. Et papa arrose les plantes. Et nous, on se pose au calme. Macholino Racholama Chalala. Bonjour tout le monde, bon, on est vendredi, je vous ai finalement presque pas pris de la semaine. Bah, je me rends compte que c'est pas possible de vlogger la semaine entre nos horaires, les enfants s'en occuper, il est vite le soir à se coucher, il n'y a rien à vlogger. Donc je pense que ce sera finalement des vlogs de week-end à mon avis, et que s'il se passe quelque chose d'intéressant je pense, parce que sinon c'est des vlogs complètement vides, ça va pas vous intéresser et ça va pas être intéressant non plus de vlogger ces moments-là, quoi. Mais bon, là, il est 15h, je suis rentrée du boulot, je prépare les valises, parce que ce week-end, on part chez Papy Dominique, on va dormir là-bas, et on va fêter l'anniversaire des grands-parents. Donc, en fait, mes parents et le père de JB sont nés tous les trois au mois de septembre, donc c'était l'occasion d'y aller et de faire un tir groupé. On va se faire un restaurant, tout ça, balade dans un petit village assez sympa, qui est classé plus beau village de France, donc je pense que ce sera cool. Et puis voilà, mais là, faut absolument que je dépote. J'ai déjà lancé une machine de mes vêtements du boulot. Normalement, j'aurais le temps de l'étendre avant de partir récupérer les enfants. Je vais faire les valises des enfants, les miennes, JB. Et comme ça, on est au taquet. On récupère les gosses à la sortie de l'école et on part fissa chez Dominique. Voilà. Bon, allez, je prépare tout ça. Et je pense que quand on vous reprend, on sera peut-être dans la voiture avec les petits.
samedi matin, il va être 11h. On est chez Papy Dominique, il fait méga beau. On va à Lourmarin pour un restaurant. On invite nos parents pour leur anniversaire, comme je vous disais. Les petits, ils ont décidé d'aller dans la voiture de papy, faire le trajet avec lui. Ils sont tout contents, tout excités. Ça va être bien. Et donc, nous, on va se retrouver tous les deux. Ça va être super. J'ai mis ma petite robe rouge, là, que j'aime beaucoup. Je vais être bien à l'aise. Andréa a mis la petite robe qu'elle a eue à son anniversaire par papy Dominique. Donc, elle est trop belle. Franchement, ils sont tous trop mignons, là. Ils ont mis le parfum. Amour, il a mis du gel. Voilà, c'est journée faite, on va se retrouver tous, on va être bien, et c'est l'essentiel. Bonjour, on est dimanche matin, on a tout le monde dans la voiture, on a Maxence qui aide papy à ouvrir le portail.
On part pour la maison. Il est quelle heure là? Il est 8h30. Je pense que ce sera très bien. À mon avis, on va peut-être échapper à des bouchons, peut-être à Toulouse ou Montpellier. On verra bien. C'est la première fois qu'on fait la route comme ça, et puis dans ce sens-là. Donc, et à cette heure-là, donc on ne sait pas trop. Mais c'est parti pour rentrer à la maison et on devrait arriver dans l'après-midi. Bon, on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute qui est gigantesque. On n'a jamais vu ça. Ah, ma puce. Il y a des jeux, il y a des points d'eau partout. On va aller se prendre des sandwichs. Il y a un truc là-bas, un restaurant, cafétéria, sandwicherie, ça, il y a tout plein de trucs. Donc on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, on va par là. Je pense que c'est là-bas, mon cœur. Là, il y a des boutiques pour prendre des produits locaux. Et là-bas, enfin, c'est ça. Restaurant, sandwicherie. Ça va être bien. Bon, on est installé en terrasse. C'est trop mignon, hein, Maxence? On est bien installé là. On a pris des petits sandwichs pour tout le monde, des salades. On va se régaler. Et en plus, on est à l'ombre. On est bien là. T'es pas au soleil, t'es à l'ombre, ma pute. Maman, tu peux prendre une boule. On peut jeter quelques petits bouts de pain à eux. Oh, il a ça dans le vol. Ah, carrément. Oh, t'as vu, il saute, mon Toby. Il y en a plein. Hein. À mon avis, ils savent qu'ils ont du pain souvent, ça. Tiens, vas-y, ma puce. Andrea, en fait, tu jettes pas. Tiens, regarde. Donne-moi un petit bout. Donne-moi un petit bout. Non, mais des vrais bouts. Regarde, ça, c'est pas des bouts. Regarde. C'est trop petit. Regarde. Il les voit pas, ce que tu jettes, regarde, ma puce. Regarde. Tu prends un bout. Tu fais ça, regarde. Oui, il vient à côté, tiens. Allez, vas-y, ma puce. Tadam. T'as vu? Il a mangé le bout. Allez, prenez vos affaires, on y va. Bon, ils sont heureux d'avoir donné à manger aux canards. On fait le tour de la sandwicherie. Oh, on a les canards qui nous suivent. Et on va rentrer. C'était sympa. Allez, go vers la maison. Donc en fait, on n'est pas loin de Toulouse. J'ai pas trop vu où est-ce qu'on était. Mais je sais qu'il nous reste pas beaucoup avant d'arriver à Toulouse. Oh, il y avait une marche. Je l'ai pas vue. J'ai peur. Bah parce qu'il faut prendre la route en fait et rentrer à la maison, ma puce. On a encore beaucoup d'heures de route. C'est magnifique, hein? Franchement. Et là, c'est par où on est rentré. Ça va? Ah, ma puce. Ma puce. Ça va? Bon, la petite surprise a été faite et là ils sont rentrés parce qu'ils mangent une glace comme dessert. JB leur a servi une petite glace pour les rafraîchir. Mais pas de piscine, on fait avec les moyens du bord. On s'est tous pris, c'est tous arrosés, j'ai envie de dire, au tuyau d'arrosage. Ça a fait un bien fou pour tout le monde. On s'est posé un peu pour se sécher. Là maintenant, tout le monde rentre. Moi je vais rentrer aussi. Je vais regarder un peu les devoirs qu'il y a à faire. Maxence me dit qu'il n'en avait pas, mais
Je crois qu'Amaury en a peut-être un petit peu, genre de la lecture ou un truc comme ça. Donc on va aller faire ça tranquillement. Et puis après, bah, ça va être le rush du soir pour la reprise de l'école de demain. Non. Bon, c'est l'heure des devoirs de mon petit oui. Cure. Oui. Cru. Comment t'as dit? J'ai pas vu. Cru, oui, c'est ça, t'as bien dit. Tire.